comme à Yav ID. Ok, montre-nous ton ID, frérot. C'est donc ça ton idée. T'as rien pour les services de vision de jeu. Petite ward récupérée, on va passer level 2 après la première wave. Let's go. Sa boutine était bien analyste. Ouais, mais la différence entre Zabutin et vous, c'est que Zabutin avait décidé de faire de LOL sa carrière. Et que t'as pas vraiment besoin d'être challenger pour être analyste ou coach sur League of Legends. Je veux dire, ton niveau de jeu est pas représentatif de ce que tu vas apporter à une équipe ou quoi, tu vois. Dans le sens où... pas vraiment la même chose. C'est pas parce que t'es un... Tu peux être un bon coach ou un bon analyste et ne pas forcément être au elo. De manière générale, je pense que c'est lié surtout au fait que t'as pas forcément le temps de jouer beaucoup, tu vois. En vrai. Enfin bref. Tout ça pour dire que le chat... Bah vous m'avez cassé les couilles. Bon du coup, le fait de passer level 2 à la fin de la première wave, ça met plutôt bien. Du coup on a le push. On a raté 2 CS comme une merde. Elle va last hit. Ou pas. Pas mal de CS hein. Et il joue pas Corrupting. C'est un peu bizarre. Proc passif facile. Troll un peu. Ça met plutôt bien. Elle est sous tour. Faudrait que je sois plus clean en vrai. Ok, 2 pour 2. Putain, il met bien Warlib. Il met bien avec sa connexion. Je vais pas vous mentir. Déjà la fois dernière, la game de Wukong, là où il nous avait run down. Il s'était foutu de notre gueule, genre il avait des coups, on avait gagné en 4v5, mais... C'est quoi lui ? Mais... No, là, notre rôle, je suis la Qiyana, je joue contre un range, et mon jungle fait ça. J'ai juste envie de... Enfin, j'ai envie de run down la game, je pense, vraiment. On va faire l'armor, cette game. Je pense que je fais ça, ça, ça. Parce que... Ne pas faire d'armor contre Qiyana, c'est compliqué. Il est obligé de restart sa game. Il a 1-0-1, on gagne bot lane, mais... Bro, genre vraiment, Warlib, je sais pas... Enfin, tu vois, c'est quand même un mec qui a joué en pro. Enfin, je pense, tu vois, il a des sous, genre. Il fait quoi avec sa connexion? J'ai l'impression que... À chaque fois que je joue avec lui, il est toujours obligé de restart son truc. Il a un VPN ou quoi?
Je comprends pas. Il chez Free. Je sais même pas si Free ça existe en Espagne. Dodge bien en vrai. Avec sa canne. Il est mort lui. Ouais, bof. Le Q est parvenu à temps. Moi je peux mourir, il va passer bientôt 6 là. Il a du rebac au bot, qu'est-ce qu'il faut? Ok, je sais pas trop ce qu'il fait, je reset. Bon. J'ai mon truc stacké là. Il est mort. Il est déco ou... Ou juste il s'est fait catch dans le fog. Chance de se faire catch. Dans le fog. L'hôtel a dû le route dans le bush et... On a le Drake. Mais d'ailleurs au top il joue même pas contre un Viego, je suis trop con. Pourquoi j'ai dit Darius Viego dans la game? Il joue contre Gnar, je suis trop con. Ok, on peut push celle de l'instant. Depuis quand un champion peut me bodyblock? Je ne pouvais plus bouger. Le mec se demande pourquoi on lose ce fight. Ah, c'est obvious qu'on lose. Tu vois. C'est Qiyana, bro. Putain. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que le perso dans la jungle, il va juste appuyer sur R. Genre. Il est con, quoi. Putain, il est tchal. Donc il est pas con. Putain, ça casse les couilles, en vrai. Je décale avant, mais... Juste un Q pour zoner, si on l'a c'est bien. J'ai pas de trinket. Elle a flash la Qiyana sur le move ou pas? Je me souviens même pas. Je sais pas si elle a flash sur la Senna. Je suis plus sûr. Je crois que oui mais... J'aurais pu venir erreur le mid instant. Hein. Je vais... Dommage, elle est low. On n'a pas d'ulti Senna. Ok, on a une plate.
J'ai l'Uden en revendant. Ma question, c'est est-ce que je ferais pas plutôt des bottes et une stopwatch? C'est mieux en vrai. C'est mieux. J'ai pas de flash 130 secondes. Je vais faire Zonia 2. J'aurai forcément l'Uden next back. Et c'est le seul truc qui peut arriver, c'est que je me fasse air par Kano. Si je Zonia correctement, ça peut turn un fight et on gagne la game, je pense. Si on arrive à turn le prochain move de Kana, genre s'il force un peu sur moi, je pense qu'on est bien. J'ai un shutdown, ils peuvent avoir envie de jouer autour de moi. Là, je sais pas pourquoi elle court pas bot. Hein. Ok, MLS, je vais prendre River, je ward ici. J'enlève sa pink après avoir pris le push. Ego et bot, il va mourir. Xarel. Ils sont morts tous les deux au vote. Pas faire mieux. Il me swallow toute la wave. Ça va proc T2. Ah, 20 secondes le Drake, je vais reset. Je vais compléter Zonia en vrai. J'aurai une autre stopwatch. Allez, ta gueule. Ferme ta gueule. Parle trop. Fais pas une game spécialement très bonne, tu full flip des calls dans la jungle, t'as énormément de chances que ça se passe bien au move level 1. Arrête. Arrête. Je suis là. J'ai pas pu Zonia et l'air avant. Senna est pas là. Ils perdent le move là. Je sais pas pourquoi ils keep. Il a raté. Il va keep quand même. Elle a un aftershock mais elle meurt. Il peut prendre elle. Senna est pas là du fight. Il est mort. J'espère qu'on la fait pas trop chier là, Senna. Mais bon, en même temps, il y a aucune raison qu'il soit. Qui keep le fight, s'ils viennent pas avec moi avant, il y a aucune raison qu'ils y aillent après. Ego est à combien? 9 de KP. Mute, Graves. Dommage, si j'avais plus Zona, ce serait passé. Bon, Diego a certainement un V9 la game. Bah bon, ils ont Seraphine Moonstone, quoi. On a Rel Senna, ils ont Seraphine H, quoi. Merci. J'ai pas le droit de forcer comme ça. L'hôtel a complètement raté son temps. Et là, le Kana joue vraiment pas très bien. Mais bon, vu que le Grace perma flip dans la jungle comme un dog. Robot. Qui lance ses deux sum.
On va juste s'efforcer de jouer le plus clean possible. Pareil, joue bien. Le Darius a l'air plutôt bon aussi. Mais bon, on a des Seven Down. Le Grave Sperma Flip. On va faire ce qu'on peut. On a quand même deux Drake. On scale pas trop mal, mais pas giga bien non plus. Pourquoi il essaye d'y aller? C'est de la merde. Enfin, tu vas juste mourir, bon. Pourquoi tu te barres pas juste? Mais what? Putain, leur cerveau, c'est très grave. Enfin, tu viens de run down un V3. T'avais juste à te barrer. Je sais qu'il n'y a pas d'arrow. Sena encore morte. Ok, good. Darius est aveugle. Le mec va juste air de l'autre côté. Et ils vont pas le tuer, si ça va. Heureusement. S'il l'avait pas tué là, bro, enfin... Un ring dans 40, ça va, on fait un bon fight. Je peux difficilement faire mieux. Akana flash le vent. On force le commit de H. On avait mis de toute façon beaucoup de dégâts sur tout le monde avant. Mais je vous dis, Akana joue comme une merde, c'est juste que... Run down. Bon, la Kiana est littéralement en train de run down. Je sais pas ce qu'elle branle, elle met des airs dégueulasses. Mais viens faire le Drake avec ton Grave, il m'a cassé les couilles, je vais devoir le solo. On veut l'âme à 25 minutes, pas à 30. Tape-le le Drake. J'ai oublié de le taper à Svelkoz. M'a cassé les couilles. Regarde-le, il est encore en train de flip dans la jungle pour rien. Sortez! Il va se transformer en méga! On a de la chance que ça passe. L'autre, il a back là, avec son Viego. Il aurait fait quadruplé. Ça me casse les couilles. Bro, ils aiment trop ça. Ils aiment trop, genre. Ils sont là. Full time LOL. Il peut pas flip des burgers au McDo. Du coup, il flip les games sur LOL. Ta mère, genre. Et ouais, notre cette game, si la Kiana avait mis des bons airs, ça aurait été compliqué. Hein. On a de la chance que le mec fout le... Dommage. Je suis pas plus Zonia, je suis full stun. Ça met bien le Viego. Nice, on s'est fait ace. Il est route.
On s'est fait ace. Bon, je pense pas qu'il puisse Nash, mais le Viego. Bah, le Viego m'a stun 4 secondes. Il m'a E, Q. Après, dans le recap des 4 secondes, il y a l'arrow de H et le root de Séraphine juste avant. Putain, ça met bien Viego en vrai. Je vais prendre Elixir pour le prochain fight. On va jouer le Drake, c'est fine. Bon, allez, hop, hop, hop. Je vais quand même garder les pings parce que ça reste des joueurs qui pingent des infos, mais ils m'ont cassé les couilles hein, à full parler dans le chat. C'est vraiment des dogs. C'est qu'on perd le fight parce que il est en 1v9 hein. Le Viego en 1v9. Le Grace c'est pas une mauvaise game mais. Ah ok, elle a touché toute l'équipe. Bon, on a tué la botlane solo. Il reste Gnar. On n'a pas de flash. Enfin, de smite, pardon. Je sais pas ce que fait Gnar en face. Je vais devoir le zoner. Ok, stylé. C'est moi ou Nash c'est régène, là. Ils vont me laisser prendre l'arrow. Hein. Il y a une âme du Drake. Ça change pas trop la game, l'âme du Drake, mais. Ok. Stopwatch, j'avais utilisé. En vrai, je suis censé rabadon. Hein. J'allais dire, je vais faire un tome pour faire Horizon, mais. Je peux pas faire Horizon 4, le spike est faible. 300 d'AP, enfin j'ai pas 300 d'AP parce que j'ai de l'AP du Nash, mais il a toujours pas back avec sa Senna. C'est moi qui l'ai tué la Séraphine ? Ouais, je pensais qu'elle était pas morte en vrai. En tout cas, elle a flash sur le fight. En vrai, la game on la gagne, no troll parce que la Kana c'est vraiment un chien. Si la Kana avait bien joué cette game, genre là elle est encore morte isolée avant le fight, elle a mis que des airs de merde. Si la Kana avait bien joué la game sur les 3-4 plays qu'elle essaye de faire, genre au mid. Je pense que la game c'est pas la même. Le Viego aurait pu solo win. Mais elle a raté un R ici. Elle a flash in, raté son R et elle a tué sa bot lane derrière. Parce que des erreurs on en a fait hein, dans l'équipe là, dans la partie. Elle a encore raté son. Nice air de Rel. Ok, on a win. Let's go. 10-4-11. On fait une game clean overall. Après, je dirais pas que je fais une game clean. Je dirais plutôt que la Kiana fait une game de merde, quoi. Du coup, on.
Déjà, la Kiana n'a pas bougé de la lane. Elle a bougé dans les deux moves jungle, mais au final, à chaque fois, elle bouge late. En vrai, la Kiana solo lose, mais... Disons que j'ai pas fait une game extraordinaire, j'ai juste... récup en teamfight. J'ai fait, on va dire que j'ai fait mon job, c'est surtout ça. Je vais au nord le la rel, je pense. C'est le seul qui parlait pas, plus ou moins. Putain, bro, lui. Ça reporte fast, hein, il m'a cassé les couilles, le Graves. Fait que barque toute la game, genre ta gueule. C'est winnable de A à Z, mais lui, il est là. Non mais on n'arrive pas à gagner le fight, je comprends pas. Ah oui, tu comprends pas, tu fais que ping et go in sans réfléchir. Bah oui, on perd. Nique ta mère. Je sais pas qui c'est un Riot Tycoon, donc je suppose que c'est un mec qui joue en ligue turque. Pas forcément un turc en vrai. Quand je dis un Riot Tycoon turc, c'est pas forcément un turc, c'est un mec qui joue en Turquie. Mais en vrai, la vague de Riot Tycoon qu'il y a à OLO, c'est vraiment... No troll, je trouve ça très très cringe. Genre là, les mecs, tu vois, on sait pas qui est-ce, ils sont pas sur LoL Pro. Du coup, en plus, ils se permettent de full flame, full bark et tout, toutes les games, parce que tu peux pas savoir qui c'est. Le mec, c'est un Riot Tycoon. Parce que, en gros, je dis pas que c'est un Riot Tycoon juste parce qu'il a pas d'icône. Commencez pas à me casser les couilles dans le chat avec ça, c'est pas parce qu'il a pas d'icône, c'est parce qu'en gros il est level 41 et qu'un mec niveau 41 peut pas avoir un MMR Chal S10 dans le sens où là il a, tu vois, il a 100, il doit avoir 130 games et les 130 solo queue le font passer level 41 large, tu vois. Et en gros, c'est des mecs en Ligue Turque, voire même Ligue Turque Academy pour certains, parce qu'il me semble qu'ils donnent des Riot Account aux académies aussi, qui ont un compte Riot, level 30, avec tous les champs de débloquer, les skins aussi, je crois, mais enfin, on s'en fout, tu vois, je crois, ils ont comme ce que j'ai sur mes Smurfs, là, le League Unlock, et en gros, les mecs, ils taguent leur game de placement, et ils sont considérés comme des Chals de la saison dernière, tu vois. Et en vrai, en ce moment, dans les games, enfin, genre, tu vois... Lui, c'est la même chose, tu vois, ce mec-là. Fenerbahçe Lenom, ça doit être le top de Fenerbahçe ou Fenerbahçe Academy. Ben, la saison dernière, tu vois, si je vais sur genre LOL Pro, que je mets genre Lenom, tu vois. Donc lui, il est sur LOL Pro, tu vois. Si on check son autre compte, ben en vrai, je pense que ça va vous mettre bien, tu vois, mais regarde. Genre là, FB les nomme. Ça, c'est son compte Riot de cette saison. Il fait 76-67. Ce qui est pas extraordinaire, tu vois, en soi. Il a 53% de win rate. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf, tu vois. Il est Chal 600 LP. Et actuellement, le mec est dans le top 100 du ladder. Voire il est top 60, tu vois. Maintenant, si on regarde son vrai compte, donc le compte qu'il a utilisé en saison 10, d'accord ? Son vrai compte, il est master ATM avec le même win rate. Enfin, non, ça c'est son pick elo cette saison. Mais toi, son main compte, il est D1. Genre le mec a démote D1 sur son main compte. Et si on regarde en saison 10 ici, je sais pas si vous voyez bien, ça va vous mettre bien. Regardez. Pick elo recorded en saison 10. GM 530 LP en 766-741, ça c'est son pic elo de toute la saison dernière. Ce qui veut dire que il lui a fallu 1500 games plus, d'accord, 1500 games pour être à 500 LP, et il a fini la saison master 100 LP, 150, en win rate presque négatif à 2000 games. Le mec il est là. Il est top 60 du ladder. Vous allez pas me dire qu'il a step up. Il a juste récupéré un compte Riot avec tous les champs de dispo et il est top 60 du ladder en faisant 100 games. Bah, en vrai, bien joué à lui. Mec, il est chaud.
Son main, cette saison, 50% de win rate, comme ses autres comptes. Enfin, comme la saison dernière. D1. Il a des modes de master à D1. Mais là, le mec est top 60 du ladder. Bah, en vrai, bien joué à lui. Il a été meilleur. C'est ridicule. Et, genre, je vous promets que là, tous les mecs qu'on proc, là, genre, regardez le match historique, hein. Tous les mecs, là, genre, c'est pareil, là. Tu vois, le Jarvan, level 33 D1, le... Lui, le mec 46 win, il est à 600 LP, level 37. Bah, tu vois, enfin, tous ces mecs-là, il y en a toutes les games. Toutes les games. Bah, tous ces mecs-là, c'est... Mais tous, sans exception, la même chose, la même que le top de la game d'avant. Là. C'est exactement pareil. Tous. Et les mecs sont actuellement, là, en iOS, ils sont tous, genre, GM Chal, en 100 games, alors que, ben, ils ont juste récupéré un compte boosté. Ça m'est bien, en vrai. Stylé. Et le pire, c'est que la plupart, tu vois, la plupart sont pas référencés sur le pro. Genre, lui, il est référencé parce que je pense qu'il a soit fait la demande, enfin, c'est surtout, il a mis son pseudo, tu vois. Genre, son compte s'appelle FB Lenom, donc tu sais que c'est lui. Mais genre, il y en a, ils mettent pas leur pseudo, tu vois. Donc, tu peux pas savoir qui c'est. Donc, en plus, les mecs, ils sont en mode full insulte, full ego, full spamping dans les games. Tu peux pas savoir qui c'est. Et le mec, la seule raison pour laquelle il est dans la partie, c'est parce qu'il joue sur un compte boost par Riot, tu vois. Sinon, tu le proquerais pas dans la game. Il est 100% D1 ou master sur son vrai compte. C'est cringe. En vrai, c'est cringe.